Bien, salut tout le monde, c'est Il75. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le premier épisode de ma série d'achat-revente Retour Agoro. Donc, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour commencer à avoir une bonne base de crédit. Donc, tout simplement, vous allez dans le catalogue EA et puis vous débloquez les maillots et les ballons que vous pouvez débloquer. Tout simplement, vous pouvez même demander à un ami de vous les offrir et ça vous fera beaucoup de maillots. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc normalement quand vous commencez Ultimate Team 16, vous démarrez avec 500 crédits, sauf si vous avez joué à la plus web et que vous avez déjà fait de l'achat-revente. Mais normalement c'est 500 crédits, donc voilà, un nouveau compte à 500 crédits. Donc je ferai aucun match sur ce compte, je ferai que de l'achat-revente pour avoir Agüero. Donc les maillots vous pouvez les revendre à 200 crédits, mais moi j'ai déjà essayé, ça marchait pas trop. Il y avait 2-3 maillots qui se vendaient en une journée, donc c'était pas trop ça. En tout cas, moi, je préfère faire en vente rapide. Donc, je vous conseille de faire en vente rapide. Mais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours essayer de les vendre. Coup à préciser que là, les maillots, c'est pas trop de l'achat en vente. Mais quand même, je tenais à vous montrer pour vous montrer comment avoir une bonne base de crédit. Donc, vous pouvez voir, on a 4773 crédits. Donc, on commence pas avec que 500 crédits. Donc, vous allez tout simplement, pour cette technique d'achat en vente que je vais faire sur cet épisode, sur le marché des transferts, vous mettez or et vous recherchez des joueurs... qui coûte environ 300 crédits, 300 à 800 crédits. Donc vous pouvez acheter des joueurs qui jouent dans les championnats anglais, allemand, français et italien. Donc voilà, la Barclays Premier League, c'est le championnat sur lequel cette technique marche le plus, tout simplement. Donc il y a aussi la Bundesliga avec Eric Derm, que vous chopez le moins cher du marché, donc 400 crédits ici. Et que vous allez revendre 600, voire 650. Moi, je le remets à 600, mais vous pouvez le mettre à 650. Donc, après, il y a Weidenfeller en Bundesliga aussi, qui joue aussi au Borussia Dortmund. Donc, vous chopez votre joueur avec 7 contrats, minimum 99 de forme et un style si possible. Mais il y a rarement des styles, donc c'est pas grave s'il n'y en a pas. Donc, voilà. Normalement, cette technique elle marche plutôt bien, donc voilà, ça dépend des joueurs et de l'heure à laquelle vous listez vos joueurs, tout simplement. Donc voilà, donc après pour cette technique vous avez Alexandre Song en BPL, tout simplement. Donc je mets en accéléré la recherche des joueurs et au prix auquel je les achète en immédiat. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider tout simplement pour l'achat en vente, surtout que ce sera le but de la série. Tout simplement, je vais essayer de partir de 500 crédits pour atteindre le prix d'Agüero tout simplement et l'acheter. Voilà, donc j'espère que cette série va vous plaire. Donc normalement elle durera pas trop longtemps puisque Agüero il coûte pas si cher que ça. Enfin 350 000 crédits c'est déjà pas mal, mais bon, il y a Ronaldo, il y a Messi, il y a Bale, il y a Neymar, etc. Donc voilà, donc normalement quand le retour Agüero sera terminé, je ferai peut-être une nouvelle série achat-revente, donc à voir. Donc bref, voilà, c'était pour vous dire ça. En tout cas, pour la vidéo, si vous savez toujours pas quel joueur acheter, donc à la fin j'aurai 10 joueurs. Donc voilà, il y a aussi Shane Long en Barclays Premier League qui marchait plutôt bien. Donc voilà, vous l'achetez au prix le moins cher possible avec 7 contrats. Donc là, il n'y avait pas, donc vous l'achetez à 650. Essayez de trouver un style comme je vous l'ai dit, mais rarement il y a des styles. Donc tout simplement, j'achète à 650 crédits et je reliste à 800 crédits pour que ça soit sûr que ça parte. Donc normalement vous pouvez mettre à 900 crédits voire 950, et après ça va mettre beaucoup de temps à se revendre, donc je vous conseille de quand même le revendre à 800 crédits. Après il y a Francis Coquelin qui marche énormément, donc voilà, j'ai fait sa recherche et directement je suis tombé sur un Coquelin qui était à 400 crédits tout simplement. Donc je l'ai acheté et je l'ai relisté directement. Donc voilà, là j'ai un peu galéré pour la recherche, donc je vais couper et puis je vais vous montrer le listage des joueurs. Donc là j'avais 4 joueurs, mais je vais en acheter d'autres. Donc voilà, j'ai en tout 10 éléments sur ma liste des transferts. Donc j'ai déjà vendu Coquelin à 650 crédits, donc il est parti en moins d'une heure, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il y avait Eric Derm, Weidenfeller et Shane Long que j'ai déjà relisté. Donc je les avais déjà achetés directement, donc vous l'avez déjà vu. Donc voilà, j'ai acheté 6 autres joueurs, donc Coquelin, Rosicky, Shane Long, Amavi, etc. Donc Coquelin que j'ai acheté pour 500 crédits, que je vais relister cette fois-ci 700 crédits, puisque je vais essayer de le revendre plus cher que le précédent. Donc Thomas Rosicky que j'ai acheté à 500 crédits, que je vais relister 650 crédits. Donc là, un Shane Long que j'ai acheté 350 crédits, donc c'était une très très bonne offre, puisque normalement il coûte
500 crédits. Enfin, normalement, quand j'ai vu, il coûtait 500 crédits. Donc, voilà. Donc, je le reliste à 700 crédits. Donc, normalement, ils vont tous partir. Hein. Voilà. Donc, ça marche plutôt bien, cette technique. Donc, voilà, Jordan à ma vie que je liste 600 crédits que j'ai acheté pour 500 crédits plutôt. Un soirée que j'ai acheté 550 crédits que je reliste sans plus cher. Et un Daniel Blind que j'ai acheté 750 crédits que je vais essayer de revendre 950 crédits. Donc voilà mes 10 éléments. Donc Coquelin est déjà parti comme je vous l'ai dit. Donc voilà. J'espère que ces éléments vont partir. Donc normalement ils vont partir. Hein. Donc on fera peu de bénéfices. Mais il y aura quand même déjà des bénéfices. Donc ça c'est plutôt pas mal pour le premier épisode. Donc normalement on aura quand même des bénéfices comme je vous l'ai dit. Donc on se retrouve pour la revente. Donc voilà, on se retrouve pour vous montrer mes reventes, tout simplement, donc 10 éléments vendus, voilà, c'est plutôt pas mal, on a 6091 crédits, donc c'est pas mal, hein. Weidenfeller et Coquelin qui sont partis à 550 crédits, donc ça c'est pas trop ça, mais bon, on a quand même fait un peu de bénéfice avec le reste des joueurs, donc Shenlong qui est parti à 800 crédits, un autre qui est parti à 700 crédits, donc vous pouvez revoir, hein, vous pouvez faire pause aussi pour voir les prix en détail, donc voilà. On a fait quand même des bénéfices pour ce premier épisode. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous voulez le prochain épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut !